Ah là là, je peux plus bouger. Je me suis tordu la cheville. Oh là là. Ah, oui, oui. Ouf, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que c'est pas trop grave. Ah, ça va, je peux encore la bouger un petit peu. Oh là là, c'est dur, c'est difficile à marcher. Oh là là, il faut que je prévienne Esteban pour qu'il vienne me chercher. Lily Rose. Quoi? C'est bon, j'ai des nouvelles de Peppa Pink. Ah bah enfin, il est où? Bah là, je m'inquiète, ça fait des heures qu'il est parti. Ouais, c'est vrai. À mon avis, il est parti courir là, ouais, tout seul dans la forêt. C'est sûr. Allô? Ouais, je suis tombé dans un trou là. Non mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a? Il est tombé. Oui, c'est pas loin de là. Dépêche-toi. Bah, apparemment, il s'est tordu la cheville ou je sais pas quoi. Dans un trou. Attends, là. Passe-moi, passe-moi. Non, attends. Oui, oui, tu vas trouver, c'est sûr et certain. Ouais, je vois à peu près où c'est. Il est tombé où? Ouais, ok. Ouais, je vois à l'entrée de la forêt. Allez, dépêche-toi, j'ai mal là. Ok, ok. Il est tombé dans la forêt. On arrive. Ok. C'est dangereux dans la forêt. Je sais pas, en plus, il y a des grottes dans ce coin-là. Bon, vas-y, pars, on y va. Ok. On y va tout de suite. Il faut aller le chercher. Il est blessé. Allez, dépêche-toi. Allez. Peut-être par ici. Ouais, sûrement. Je capte très peu de signal. Où est-ce qu'il peut être passé? Je sais pas, moi. Non, mais ça m'inquiète, là. Il m'a dit, dépêchez-vous, je suis tombé dans un trou. Ça fait longtemps, en plus. Ouais, j'espère qu'il s'est pas évanoui. Ouais. Bon, vas-y, il faut qu'on continue à chercher. Bon, allez, on va parler. Peppa Pig. Eh oh, t'es où? Peppa Pig. Eh. Eh oh. Eh oh. Tombe pas, toi. Non, t'inquiète. Oh. Tu sais ce qui m'inquiète? Non. C'est que dans cette forêt, il y a beaucoup de grottes. Ouais, il y a beaucoup de trous aussi. Ah, je sais pas comment on va faire. Bon, on peut essayer d'aller voir dans la première grotte, là. Tu vois, celle qui est en rentrant. Ouais, celle-là. Ah, j'y suis jamais allée. Ouais, bah, moi, j'y suis jamais allée. On m'a toujours dit de pas aller par là. Mais bon, s'il est tombé dans un trou, il a peut-être terminé dans une grotte. Allez, on y va. Toujours pas de nouveau message. Peppa Pig. Allez, viens. Allez, par là, je crois, la grotte. Ouais. Allez, vas-y. Dépêche-toi. On va par là. C'est par là, la grotte, normalement. Normalement, c'est ici l'entrée. Ah bah, je sais pas si on va réussir à rentrer comme ça. Allez, vas-y, frappe, peut-être. Laissez-nous rentrer. La porte, elle est fermée à clou. Non, mais à clou, c'est même mais pas oui, à clé, elle est fermée à clou. Non, mais c'est un truc de fou. Eh oh. Bon, bah, les amis, on va essayer de rentrer dans la grotte. Ouais. Je sais pas comment on va faire. Ouais, parce que la porte, elle est fermée à clou. Elle est fermée à clou. On se retrouve si on réussit à rentrer. Oui. Mais il a dit qu'il était tombé dans un trou, donc pour moi, une grotte, c'est un à trou. À mon avis, une grotte, c'est un trou. Ouais, bah, je sais pas. Ou un trou, c'est... Tous les trous ne sont pas des grottes, mais toutes les grottes sont des trous. Je sais pas. Du coup, l'entrée de la grotte, regardez, ça mène à un truc comme ça. Avec plein de couloirs secrets. Il fait super froid. Là en haut, c'est la canicule. Et là, par contre, c'est totalement l'inverse. Il y a de moins en moins d'éclairage. Même en hiver, il fait moins froid qu'ici, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Bon, en tout cas, il faut tout faire pour retrouver Peppa Pink et savoir qui l'a embêté ou s'il a eu un accident. Ouais. Allez, c'est parti. Il y a vraiment personne. On dirait un truc abandonné, tu vois. Comme des couloirs souterrains abandonnés. Bon, les amis, c'est bon. J'ai retrouvé mon téléphone que je peux utiliser comme lampe. Mais regardez-moi ça, c'est un truc de fou, les murs. Non mais c'est incroyable, on est vraiment tombé sur une grotte. Ce qui nous rassure, c'est qu'il y a des escaliers. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui sont passés ici, on n'est pas les premiers. Mais regardez la hauteur et tout. Là, carrément, j'ai mis un gilet. Non mais ça tombe, on va trouver des... Non, des hommes de la préhistoire ou des peintures là, tu vois, comme dans la grotte. Oui. Ah mais c'est incroyable. Attends, vas-y, on continue d'avancer. Tu sais que Peppa Pig s'est peut-être perdu ici. Ouais, sûrement. Peut-être qu'il est tombé dans un trou et s'est retrouvé dans la grotte. Regarde. Ouah, mais c'est quoi ça? Attends, mais on dirait une sorte d'église, un truc comme ça, mais dans la pierre. Regardez la hauteur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incroyable. Bon, les amis, attendez, je vais essayer de vous retrouver. C'est un truc de fou là, je comprends vraiment rien à ce qui se passe. On a trouvé ça par hasard comme ça en descendant sur des rochers et tout. On est rentré comme dans une petite grotte dans la forêt. Ah, mais de toute façon vous avez tout vu. Bon, nous en tout cas, au-delà de regarder ça, il faut qu'on retrouve Peppa Pink là, c'est important. Bon bah les amis,
En fait, on s'est un peu renseigné parce qu'on a trouvé des inscriptions sur, regardez, sur les murs. Il y a des choses écrites et apparemment on est dans une cité souterraine. Ouais. Donc c'est et là, quelque c'est chose. Chambre. C'est une chambre, voilà. Ouais. C'est une cité souterraine, donc comme une ville mais sous terre qui servait quand il y avait des gros problèmes, etc. Bah les gens descendaient ici. C'est quoi? C'est la sorcière. Qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne vous dirai pas. Mais attends, Iros, viens, on part. Allez, vous en. Il faut qu'on parte par là, par là. Mais ici, on trouve. Oh, mais c'est un truc de fou. Non, mais c'est la sorcière. Attends, par là, vite. Quoi? Par ici. C'est quoi ça? Bah, c'est une autre chambre. Tout à l'heure, j'ai vu une chauve-souris. Ah non, mais le sol est mou. Oui. Mais parce que là, c'est des murs ancrés, donc comme la craie avec laquelle on écrit sur le tableau, quoi. Ouais. Non, mais c'est la vraie sorcière. Mais c'est sûr que c'est elle qui a tendu un piège. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est elle qui a tendu un piège à Peppa Pig. Mais oui. À mon avis, Peppa Pig, il est tombé aussi dans la grotte. Ah, ça sent l'humidité là. Ah ouais, ça sent l'humidité à fond. Ouais, donc comme on vous a dit, les amis, c'est une cité souterraine, quoi, une ville souterraine qui servait certainement quand il y a eu des problèmes pendant les guerres, etc. Quoi. Donc c'est un truc de fou. Trop stylé, et donc la sorcière, ça tombe maintenant, elle veut habiter ici. Hein. Mais non, c'est pas possible, il fait trop froid pour elle. Oh, ça tombe, c'est un piège, elle veut nous tendre un piège en nous amenant ici, pour qu'on puisse plus ressortir. Je sais pas, bon, en tout cas les amis, des fois il y a de l'éclairage, donc on va essayer de retrouver la sortie, et Peppa Pink au passage. Regardez, il y a plein de chambres, mais oui, il fait totalement noir. C'est bon les amis, on a réussi à sortir de la grotte là. Ouais, c'était un truc de fou. Par contre, on a regardé toutes les chambres et tout. La sorcière, elle nous a poursuivis, on n'a pas pu tout filmer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous suit. Ah, mais je sais même pas comment elle a fait pour rentrer et comment elle a fait pour savoir qu'on allait venir ici. Ouais. Peut-être que c'est là qu'elle dort quand on la vire de chez nous. Ah, ouais. Quand on l'a vue dans le trou là. Ah, ça m'a fait peur. Moi aussi. Bon. Maintenant, il faut qu'on cherche, qu'on continue à chercher Peppa Pink. Ouais, bon, bah écoute, je sais pas comment on va faire parce que on l'a cherché partout, on l'a pas trouvé. Moi, je rentre pas dans les autres grottes. Bah, moi non plus, hein. Ah, mais. Bah, te voilà enfin. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, vous êtes là. Bah, oui, on est là. Bah, oui, j'ai trébuché là. C'est ça ton trou? Oui, ici, regarde. C'est pas un trou, ce truc. Non, mais nous, on est rentré dans une grotte pour te chercher. Non, sérieux. On a vu la sorcière et tout qui voulait nous attraper à travers un mur. Non, j'étais en train de courir, il y avait une pierre, j'ai trébuché dessus et je me suis foulé la cheville, Esteban. Non mais dans ces cas-là, dis-nous que t'es tombé dans un tas de pierres, dans un tas de rochers, dis-nous, ne nous dis pas. Il y a une grotte à cause de ça. Non, sérieux? Mais oui. Où ça, ici? Ah bah oui, il y a plein de grottes, tu le sais très bien. Non, vous êtes pas rentré par l'entrée qui est interdite. Ah bah si, on est rentré par l'entrée interdite, là, carrément. Bon bah les amis, là, je sais pas quoi faire. Bon, viens, on va appeler les urgences, là. On va rentrer à la maison, surtout. Ouais, on rentre à la maison, ensuite on appelle les urgences. Vas-y, à cloche-pied. Ça s'est calmé quand même. Allez. Ah, tu m'aides, Eliroz? Allez. Allez, oui, allez. Allez, viens, Esteban.